Bon, bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonjour. Ça dépend pour toi attendre nous et qui doit attendre le programme ça et nous saluons. Et on attend justement pour que les gens qui disent nous si monsieur Ozil attendez nous là. Donc ça veut dire que si vous attendez nous là, nous avons dérapé. Bon, moi encore si vous avez qui dit encore des dolk. Tout attendez nous tout, est-ce que attendez nous et 81 monde qui monte à bord là. Qui monde qui tendait nous, tout monde qui tendait nous dit oui ou tendait nous pour nous capable de démarrer. Et moi là, bonjour, tout monde qui dit mieux là, mais bonjour, c'est bien, il faut dire tendait nous tout pour nous pas parler. Et pour grand merci. Et nous grand peu bail pour nous parler aujourd'hui là. OK. Mais on va dire si nous tendait moins, besoin de rappeler, si nous pas dire nous tendait moins, qui a me déraper là. Et oui, nous tendait. OK. Voilà, et ça vous dit. Et bien, on a dérapé avec l'actualité sur le plan, d'abord sur le plan national. Et alors, sur le plan international, tout que là aussi, il y a son attaque en Ukraine, côté plusieurs dizaines de monde qui mourent dans l'attaque. Ça. Et puis, gagné tout Kenya a nommé un nouveau ministre touristique, il y a ce nouveau ministre affaires étrangères lié. Et puis, il continue à gagner opposition dans Kenya, soit faire déploiement force multinationale en Haïti, que Kenya a apprécié après que le Conseil de sécurité des Nations Unies réponde positivement. Donc, il a autorisé pour force à aller en Haïti pour aller des positions nationales à Kwafi et Negameo. Et ici, aux États-Unis, et ça n'est les courses pour. Président et chambre députée a les lancé. Il y a des députés qui ont annoncé candidature. D'abord, c'est Jordan, député Jordan avec Khalil. Mais il y a deux qui ont déjà annoncé eux-mêmes le candidat pour remplacer l'ancien député, alors député Kevin McCarthy, qui nous rappelle que un groupe député. Un groupe de députés demandé vote et il était talonné, monsieur, il n'y a pas d'accord avec, il n'y a pas la même façon de diriger. Et bien, il était joué un support, 8 députés républicains mettés avec tout démocratie. Et bien, il voyait et Kevin McCarthy allait comme président de la Chambre des députés, donc pas gagné qu'on y a actuellement. La Chambre des députés a censé camper. D'autres bails qui ont fait, que ce soit sans qu'elle cap mené sur le président Joe Biden, et soit fait petite ligue, activité business, ou activité d'affaires petite ligue. Tout bas ça a en attendant qu'il y ait un nouveau président, donc capable de lancer deux candidats officiellement qui annoncent la candidature. Il y a l'idée, il y a un monde qui a lancé l'idée, en fait, on débute même qui a lancé l'idée au président pour être candidat. Et bon, il même dit que pour qu'on y a ça qui est intéressé, c'est la présidente des États-Unis. Mais il dit que ce n'est pas une mauvaise idée. Parce que la Constitution n'a pas interdit que nous outsider et les monde qui est en dehors de la Chambre des députés est venu, candidat est venu comme président somme. Donc la Constitution n'a pas interdit. Et bon, il y a un peu de débat qui a fait tout ça, mais ça n'a pas que j'en fait. Ça n'a pas que j'en fait. Pour que le président chef député assez ou moi, ça a été ça, pour j'en fait, mais je veux dire qu'on ne peut pas me connaître, ça va faire toujours. Dans l'autre point, toujours, eh bien, donc, pour ça, il y a, donc, mardi, et candidat déclaré, eh bien, je vais le présenter le programme, et bien, l'Assemblée, et bien, mercredi, ça va peut-être vote pour remplacer. Et Kevin McCarthy comme président de la Chambre des députés. Donc, c'est pas mercredi. Rappelez que Kevin McCarthy, qui était élu comme président de la Chambre des députés en janvier 2023, eh bien, il était pris 15 tours. Enfin, il était battu M. Mandat, mais avant, M. était remporté la victoire, 15 tours. Et cela, M. était obligé de faire des concessions. Et c'est une concession qui peut être allée tout. Bah, il était choisi, il était accepté pour changer loi et règlement interne. Maintenant, que y a un grand député. Il doit mettre les présidents en question et c'est ça qu'il fait. Son grand député, M. Goetz, qui mettait les présidents et McCarthy en question. Et bien, il faut être une motion. Et motion, il a fait débat sous lui et il a voté. Et c'est comme ça qu'il a mis le dehors. Donc, alors, conservateur, dirigeant, il n'y a pas qu'à compter sur M. encore.
vu que compromis l'y faire, que ce soit avec démocratie dans la Chambre des députés, ou bien encore avec l'administration Biden, etc. Donc c'est ça qui explique que Kevin McCarthy parle là encore. Il est toujours député, mais il n'est pas président de la Chambre des députés encore. Donc il y a un coup ça là qui est là. Je dis, on n'a pas l'autre de ça, c'est pas ça. C'est pas le sujet que Jacqueline Bézis a capté à la Cali, je dis. Mais c'est sujet ça, monsieur va porter dans nous dans le programme radio sur télévision après-midi. Et puis nous avons tout, et en parlant de Kenya, nous avons Amnesty International qui branche Kenya, et bien il dit que les longues de son soldat Kenya, il dit eux-mêmes, il dit qu'il y a porté violation des droits humains en Haïti. Alors parmi l'opposition qui gagne, il y a une opposition sur un ancien député, un ancien premier ministre. Kenya tout qui dit que Kenya n'a pas grand rien pour voir avec Haïti. Donc il n'y a pas raison de faire Kenya pour aller. Mais ce n'est pas le premier ministre qui a décidé. Parlement Kenya a été voté pour lui autoriser que Kenya déploie une force. Pour lui prendre une force multinationale pour aller en Haïti, pour aller mettre l'ordre dans des ordres. Et puis, alors nous avons des députés qui cherchent des candidats pour remplacer McCarthy, c'est Scalise, avec député Jordan. Et pour qu'on y a, mon qui aime place ça provisoirement, c'est mon député, son pro-temporaire, son provisoire, c'est Patrick McHenry qui, président provisoire, monsieur Bafanek, qu'on y a que seulement l'écapé toute activité, Chamna, en attendant, il y a un leadership qui présenté, et crapon républicain, parce que le règlement dit que c'est Patrick qui a majorité dans la Chambre des députés, c'est lui-même qui a le droit à nommer, mais c'est lui-même qui a le droit pour le gain et speakership là, ou bien qu'il y a la présidente de Chambre des députés qui s'est troisième personnage en ligne pour présidence des États-Unis. Donc pour qu'on y a, c'est un deuxième personnage qui est déjà comme président des États-Unis. Si le président a empêché, c'est le vice-président. Et si le vice-président a empêché, c'est le président de la Chambre des députés. Non, l'autre point qui est censé abdominer l'actualité. Et gagner tout en Haïti, on a vu que juge Jean-Claude, juge Martel Jean-Claude, qui a enquêté sur cargaison d'âmes et qui était venu en Haïti sous nos conférences épiscopales là, eh bien, il blanchit tout, pratiquement tout père. Tout père qui est membre de la conférence épiscopale là, qui semblait avoir une cité, eh bien, il blanchit tout, mais il voyait une dizaine d'autres citoyens et lui-même, il voyait devant la justice royale. Jugé sous question sur la cargaison d'armes qui est arrivé dans la douane en Haïti et puis dans tout que et dans l'autre grand point c'est avec un pays inconnu nous parlons pays d'Haïti mais inconnu m'était diffusé dans d'abord attaqué et pillé et commissariat et il y en a peut-être commissariat moderne que Haïti gagne commissariat police là dans Tomaso et bien m'était non seulement pillé pour tout ça qui gagne bien yo et mettez du fait là-dedans et nouvelle par rapport à des policiers, des victimes beaucoup des policiers qui semblent être en cas d'Irak, les monsieur Tabatakio. Donc ça fait troisième commissariat qui est négamé et attaqué et mettez du fait là-dedans et depuis le mois d'août. Donc c'est ça nouvelle là qu'on y a là. Donc il a déjà été attaqué commissariat au Tomaso, au Naville, il a attaqué commissariat qui est dans Soudo. Eh bien, donc, monsieur, on tient à parler de nos manques et de nos forces internationales à Paris, puis il veut dans le pays. Et qui ça me dit pour me dire encore, je parle d'un inconnu, je parle d'un congrès qui est un pays, et il y a un groupe parlementaire, ancien parlementaire haïtien, surtout député, et bien, qui écrit parlementaire sud-américain, ou bien parlementaire d'Amérique latine, pour protester, ou bien pour lever voir contre. Façon République dominicaine a agi sous dossier, sous canal d'irrigation que Haïti a construit sur beaucoup de palis. Et nous avons pas, entre temps que l'autorité dominicaine, beaucoup de palis, même tout, il a fait travail pour empêcher et pour dévier de l'eau dans le rivière Massacre rentrer dans le canal. Alors, il n'a pas empêché le nom, mais quand c'est de l'eau qui est arrivée dans le canal, là, le fait que le dévier n'est pas privé, parce que bon, quand c'est capable quand même, mais il est certainement
mais opération ça pour commencer opération pour l'eau a commencé sur le canal ou bien canal a commencé sur l'eau cap sur le canal là le cap sur le massacre là pour arriver parce que justement c'est construction qui a fait première action pour faire canal là et qu'on solidarité qui a fait je sais que plusieurs citoyens ordinaires mais ils ont tout y a protocolé justement pour aider et pour encourager la construction du canal là et ils ont dit que nous faisons pour que plus canal qui fait toujours quel que soit ça autorité dominicaine ou les faire en tout cas ici de camper là et de camper ferme sur décision même si on qui dit par le gouvernement c'est citoyen ça qui là mais quand même nous encourager pour que la construction du canal ça il sera possible et puis ça me répondre nous encore. Et le président Joe Biden a levé la loi fédérale qui a empêché la construction de murailles sur frontières, surtout dans une zone de continue. Et le président Joe Biden a levé la restriction et donc la construction de murailles a été faite. En tout temps, il y a une délégation des États-Unis qui trouve actuellement au Mexique. Et parmi les délégations au niveau de ça, nous jouons le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, ministre de Justice Galland, gagné tout, et puis gagné Galland, et puis gagné ministre de Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, c'est parmi les dignitaires qui font partie des gars sur ça. Et parmi les questions que y a pour discuter, c'est surtout le dossier sur. Et Fentanyl là, donc Fentanyl là, capitale de frontière, abonné par paquet, et puis gagne tout. Et augmentation, quand c'est immigrant qui a privé sur frontière, abonné par paquet, Madame Charles, moi, ouais, Madame Charles, je vous dis là. Et gagne quantité immigrant qui a privé sur frontière, abonné par paquet, et sans document légal qui vit avec ses frontières, donc gagne tout dossier ça, qui parle dans le cadre d'une discussion que l'autorité a pu faire, d'abord, il a pu aller. Et d'abord dans Texas, où il était, et puis avant il allait dans Mexico City, pour devoir faire ça parler avec le gouvernement. Donc il était branché avec la Banque d'Amérique, justement, pour ce qui s'est passé exactement concernant la délégation ça et concernant ce qu'on a discuté. Et sur la question frontière ça, sur la frontière sud, États-Unis, et puis c'est ça, et puis hier c'était au Conseil des ministres, bon, un petit qui fait. Sur le conseil des ministres qui n'a pas vraiment et le premier ministre a été justement introduit et président et aux commissions et conseil et haïtien qui s'est là dans le professeur Milan Maniga mais qui parlait et qui seulement dit que haïtien ne doit pas de reprocher des situations qui mettent dans la position côté justement et situation qui arrive dans la position côté que nous obligés de faire appel à une force étrangère pour nous mettre l'autre la caille nous et question élection à parler bon classe politique en Haïti il y a divisé sur question il y a quelqu'un qui dit qui dit ça passe à c'est pas c'est faute pas nous il y a tout qui était différent et que pas quoi que et force qui n'a pas le poton bail pour pas pour une solution à situation même si au poton solution c'est bon bail provisoire parce qu'il est allé encore si police nationale là tout temps pas organisé le bien détail pas renforcer institution pour permettre que les prend mais sécurité en main et bien bon c'est lavé monsieur à tête donc il y a autant de questions qui sont censées à poser sous à faire ça mais en attendant il y a un parlement Kenya qui doit voter lui-même tout pour l'autoriser que Kenya prend tête force multinationale. Ça, les Nations Unies en fait, c'est une. Mais il faut que d'abord le Parlement Kenya et lui-même tout lui voter pour l'autoriser. Ce sont des dossiers qui sont sûrs et qui étaient cette mandat dans le politique pour ça qui dit ce qui sont là. Et je dis à Jacqueline Lacalli, donc moi-même, c'est moi qui a présenté le journal de la télévision avec Média, avec demain, donc Jacqueline est deux jours là, la monsieur. Mbabdino, ça me fait la calme. Mais monsieur, invité ni moi-même, ni gentil, pour nous venir manger dans les plantations maïs, monsieur, qui est des dollars cardiaux, l'invité moi-même, gentil. Par contre, si Valérie a fait voyage pour venir et tout, mais quand même, nous invité pour nous manger maïs, boucanet, la calme, Jacqueline Bélizier, qui a un jardin maïs qui a fleuri là. Monsieur dit, pas pour nous maïs, mais la partager avec collègues. Donc, nous sommes capables, pas capables de la calme, mais nous sommes capables de manger. Donc, M. Dino, assurez-nous que nous portons des avocats avec nous.
Bon, si les avocats, mais il n'y a pas bon, mais les avocats, les avocats. Et nous pas chita pour nous manger maï boucané avec lui, mais nous pas aller samedi, parce que samedi, je me sale l'église. Donc, au moins, moi, ma gentille, là, ma plus gentille, là, qui n'est pas dans la là. Et donc, dimanche, là, nous pas aller là. Je suis Augustin pour parler nous toujours de la question visa. Visa que la France a prononcé de décision contre étudiants maliens ou quelques étudiants qui sont en Afrique de l'Ouest, qui n'ont pas retourner en France pour renouveler le visa. Ou bien, si vous avez déjà quitté la France, vous n'avez pas prendre visa à jeune visa pour entrer avant pour aller étudier à cause de le personnel qui était certainement et nous sommes confrontés bien la France actuellement avec Niger. Donc ça pose aussi le problème pour nous. Et puis nous vient tout, Jacques a parlé nous, surtout de la course pour jeune président et pour chambre députée. Il y a gentil Auguste a parlé de questions de visa ça. Et puis Valérie Saint-Louis a parlé nous, tout de et voyage que magistrat ou bien responsable magistrat communal New York là et il fait tout et au Mexique, côté tout, yon même tout, yon a babi tout pour reprise ou bien encore de délégation ou bien encore de décision que l'autorité, surtout dans Texas, a pris depuis quelques jours. Il a pris des voyages autobus chargés avec une bombe à alors que dans le temps passé, on avait dit au moins pour te dire que, mais quand c'est mis en cap, il peut prendre des dispositions, mais il semble que pas fait encore qu'on y a seulement constaté que l'immigrant est sur chaque jour, pas par paquet, je ne sais pas si ça va faire. New York City a un problème actuellement avec la question des immigrants, parce qu'il y a un logement qu'on y a pour les immigrants. Ça va être dans l'administration Biden qui fait une sorte de. Une bon décision spéciale. En faveur des immigrants vénézuéliens, surtout pour lui faire que c'était près de 400 000 que tu es baillé. C'était 400 000, hier. Que tu es baillé et statut de protection temporaire, TPS, qui était baillé en plus de ça que tu es gagné en 2021, il y a baillé en l'autre pour encore là encore. Donc c'est justement pour être dans quelle mesure capable de soulager et pression. Et puis, autorités mexicaines continuent à mettre sous pied un programme pour et déplacer immigrants qui arrivent sur frontière sur le pays à partager avec Guatemala pour diminuer la pression qui sous le gouvernement ou l'administration ou le service d'immigration local là pour des grandes pile de demandes que pas capable d'agréer dans l'immédiat parce que grand quantité de demandes dans les pays parce que les pays élevés que quantité que mon yo gagne mais que ressources humaines que gagne pour analyser ou bien préparer dossier immigrants qui besoin permis pour continuer à voyager pour arriver sur la frontière. Donc, ça a été le Mexique. Il y a eu venu, il y a bus, il y a eu un mais il y a le Ménéo, par exemple, dans Mexico City. Donc, le Ménéo tient beaucoup plus près. Et là encore, pour le Fontaine, en attendant que le document pour être capable de continuer à voyager et nous dire immigrants, ça va empêcher que les immigrants continuent. Prendre occasion, même avec pour initiative, par exemple, qu'on trinque la bête. Et son prix cargo capte sur les marchandises, mais ils ont monté sous tête train pour faire voyage, pour aller. Et les autorités mexicaines ont des fois crampé le train en route, ils ont fait mon descendre parce qu'ils ont dit trop dangereux pour faire. Parce que des fois, le train à côté l'a passé en bon coup pour qu'on pas avoir un monde qui est en l'air, mais pour en partir pour le monde qui est en l'air, et bien il y a un monde qui passe en bas pour tout. Blessé ou bien mourir même. Donc c'est autant d'efforts, autant de travail que les délégations américaines qui ont trouvé là actuellement au Mexique à discuter avec les autorités mexicaines sur les tâches qu'ils peuvent faire pour essayer de faire. Je vous remercie mes amis, je ne vais pas arrêter en pile. Je travaille là aujourd'hui et n'a pas l'évita. Bonne fin d'après-midi et bye bye.